Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On va reprendre aujourd'hui un jeu commencé il y a un petit bout de temps maintenant, qui est Poképark, oui, la grande aventure de Pikachu. Et on va reprendre l'aventure là où on avait arrêté. Vous voyez, j'ai pas rejoué depuis. Bah oui, on va au Poképark. Alors on devait, si ma mémoire est bonne, réaliser quelque chose pour sauver notre ami. Comment on court ? Voilà, donc on était ici. On va aller revoir ce qu'il nous a demandé. Oups ! Non, non, mais tu n'es pas obligé de l'attaquer, le pauvre, tu sais, il va pas être gentil. Alors, il faut défier Crapaudo et Piaf à bec. C'est au combat, il me semble. Alors là, je spring. J'essaie de reprendre un peu mes marques. Là, on saute. Retourner à la zone végétale, oui. Donc Piaf à bec et Crapaudo. On va aller voir tout ça. Crapaudo est là. C'est au combat, je vous rappelle, je vous avoue, je ne sais plus comment on fait. Dans ce cas, pas le choix. Je me mettrai mon cœur dans ce duel et la classe. Enfin, duel, oui, mais j'ai peur de le perdre parce que je me rappelle plus. Bah, je peux déjà lui foncer dedans, ce qui est déjà pas mal. Bon, bah j'ai gagné. Et je crois qu'il y avait un autre bouton, mais je ne sais plus lequel. La moitié de ta force, peut-être que l'autre va venir, il cherche des adversaires plus forts. Yes, on a un nouvel ami! Ah! Bon, ça y avoir du beau monde. On va aller faire un petit tour, parce que déjà d'une, je ne sais pas où est Crapaudo. Non, Crapaudo, on l'a trouvé. C'était Piaf avec, je suis bête. Ah, tu fais des demi-tours, Pikachu! Et du coup, il y a un sécateur aussi. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on les voit pas sur la carte. Parce que je vous avoue que je ne sais pas où ils sont. On va fouiller un petit peu par là. On peut faire quelque chose avec cette fleur ? Non. Bon, il n'y a personne par là non plus. Y aurait-il un truc caché dans ce recoin? Oh, Magikarp! Qu'est-ce que tu fais, Magikarp? Bon, ben, j'arrive pas à venir. Allez, on repart. Et donc, on a deux personnes à trouver. Piaf à bec principalement pour réaliser la mission. Et un sécateur bah, pour devenir ami avec lui. On va aller voir par là, je ne sais pas si on peut aller plus loin. Ah ben, le voilà, Piaf à bec. T'essaies d'aller à la place Union. Quand je dis non, c'est non. Hein, Maître Florizard t'a dit de me défier, moi. Tu te trompes, il ne parlait pas de moi, mais de mon petit frère, quelque part dans cette zone. Il y a une place avec de grands piliers ronds, comme des troncs. Mon frère doit être là-bas, va le chercher. Ok, donc lui, il me bloque le passage. Une place avec des grands piliers ronds. Là-bas, il n'y a rien. Putain, on va revenir en arrière. Je pense pas que ça soit interdit de toute façon. Oh Pikachu, qu'est-ce que tu fais? Ça donne un peu envie de vomir, hein. Une place. Écoutez, on va faire tout le tour, hein. On a shooté Arco. Il est notre ami, lui.
mon record au secoue sprint, mais je me retiendrai d'y courir tant que Maître Florizard l'interdit. Non, on le fera tout à l'heure. On n'a pas envie de s'en faire disputer. Ah, à moins que ce soit par là. Les piliers ronds, ça a l'air d'être ça, non? Oui, je vois un truc là-bas. Voilà, Pief avec. Tu veux faire un parcours? Qu'est-ce qu'un parcours? Le défi du parcours consiste à atteindre le Pokémon adverse dans le temps imparti. Rejoins-le en sautant, si tu tombes, tu peux retenter ta chance tant qu'il lui reste du temps. Oh, je sens que je vais être misérable! Voilà. Hein? Bon, c'était un premier. Il était tout facile, mais on est quand même tombé une fois. J'ai honte, j'ai échoué à faire ce que Maître Florizard attendait de moi. Et dans ce cas, je n'ai plus qu'à devenir ton ami. Hé, on commence à avoir du beau monde. On va faire un tour, voir si on trouve pas un sécateur quand même. Avant de retourner. On va faire le tour de la place en bas là-bas. Oh, pauvre Tantipousse, je suis désolée. Complètement désolée. Bon, après là, je vais sortir de la zone donc. Où est-ce qu'est passé un sécateur? La zone est pourtant pas super immense, quoi. Ah, y avait lui, qu'est-ce qu'il nous voulait qu'on n'a pas pu lui donner, je crois. Une grosse baie, je t'ai vu en donner un Pokémon tout à l'heure. Si je me trompe pas, il y avait une grosse baie là dans la caisse qui est droit devant moi. Oui! Bon, maintenant il faut remarcher jusqu'à lui là-bas, mais on a la grosse baie. Ça, c'est cool. On n'a pas trouvé un sécateur, mais bon. Les petits pachis. Faut que je fasse plus attention quand on nous montre des nouveaux Pokémon, parce que ça donne souvent un indice sur l'endroit où on peut les trouver, et j'ai pas fait attention quand un sécateur est apparu. Ouh, ça c'est de l'ami. Il est de taille celui-là. Écoutez, comme je ne trouve pas un sécateur, on va retourner voir Maître Florizard. Parce que ça se dit, un sécateur, il est plus loin. Je suis juste aveugle, mais bon. Bah, les voilà! Comment je vais là-bas? J'allais dire en même temps, chercher un Pokémon vert dans l'herbe, c'est pas très facile. Oh, il est avec qui? Oh, avec Philalie! Je veux parler à Philalie d'abord. Dépassera 20, viens me voir. Ok. Tu es trop beau, Philalie! Bon, un sécateur, tu viens ici, oui. Mais oui, on va faire un duel. J'espère qu'on va pas faire n'importe quoi. Ce qui me semblait que je pouvais attaquer, mais je ne me rappelle plus avec quel bouton. Tu
Pikachu, tu vas mourir. Pikachu, tu es presque mort. Allez, Pika. Je sais pas comment j'ai fait pour gagner, mais j'ai gagné. Je crois qu'il est sorti du truc, c'est pour ça. On a eu de la chance. Il y a un bouton, je sais. Ah, c'est peut-être plus, je sais plus. Pour faire les attaques électriques. Non. Bah du coup, vous savez quoi? Maintenant qu'on est là, on va les sauvegarder. Ça évitera... Je me rappelle avoir fait une grosse bêtise dans ma partie précédente. Et avoir appuyé sur le bouton qu'il fallait pas. Attends, il n'y a pas 5000 boutons, je sais plus comment on fait les attaques électriques. Bon, c'est pas grave. Combien j'ai d'amis du coup? C'était marqué avant, je crois. Amis 16. Bon, on pourra bientôt aller voir Philali. Allez, allons délivrer notre cher copain. Capidex, on s'était déjà battu contre, je crois. Il va faire moins le malin quand il va nous voir arriver. Franchir le portail, oui. J'espère que ça va lui suffire. Hein. On a montré qui on était. Arrête Pikachu, tu vas s'assommer. Voilà, avance tout doucement. Quoi? Tu as battu Crapaudo et Piaf avec. T'as mis ma parole est en jeu. Je libère Germignon, mais tu as bien compris, ne fais plus jamais d'attractions. Un instant, ça n'a aucun sens. Tout le monde aime les attractions. Et en plus, cette interdiction de quitter la zone est de trop. Tout le monde a le droit de s'amuser librement. Quelle impudence. Il y a une raison pour laquelle j'interdis de jouer aux attractions ou d'aller dans les autres zones, c'est parce que c'est dangereux. Vous n'avez qu'à respecter les règles de la zone végétale. Et tout ira bien pour vous. J'abandonne. Pikachu, il faut prouver à Florizarre que c'est chacun... Que chacun peut s'amuser à finir autant d'attractions qu'il lui plaît. Oh, tu veux te mesurer à moi, à mon attraction? Que c'est amusant. Si tu réussis le saut en liane, je changerai les lois de la zone. Tous ceux qui voudront s'amuser aux attractions le pourront et je permettrai que l'on aille à la place Union. Je sens que ce saut en liane ne va pas me plaire. Veux-tu tenter ta chance au saut en liane contre 5B? Oui, mais j'ai un peu peur. Allez, c'est parti, on croise les doigts. Secoue la liane pour un saut en longueur, va le plus loin possible et bat ton record. Objectif 50 mètres. Ok, comment jouer? Secoue la technologie verticalement comme sur le dessin. Si tu la secoues en t'accordant sur les mouvements de la liane, tu as plus d'élan. Quand tu as assez d'élan, saute et appuie sur B au bon moment. Saute avant que le temps restant n'arrive à zéro et essaye de battre le record. Bah on va prendre Capidextre. Hein. Bah oui, il a des grandes mains. Moi, j'ai un peu peur. C'est sympa comme du tout. Que... C'est sympa comme tout, je veux dire. Cette épreuve. Pardon. Et on a battu le record. Moi, j'adore. Ah, il y a un bonus à 72, on l'a pas eu. Oh, bon, on va le refaire, ça, dès qu'on peut, parce que j'adorais. Oh, Pikachu, c'est quoi cette air? Mon Pikachu, il est tout content. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi le saut en liane. Je tiendrai ma promesse. Vous pouvez participer aux attractions et je vais ouvrir le portail. Mais enfin, Florizarre, de quoi avez-vous peur? Les habitants de la zone végétale ne sont pas aussi faibles que vous l'imaginez. Avez-vous vu la joie dans le visage de Pikachu pendant qu'il jouait à votre attraction? Et vous souriez aussi.
Je suis sûre que vous l'avez ressenti vous aussi. Décidément, tu n'as aucune éducation, mais tu as raison. Vous n'aviez pas peur de l'attraction, vous vous amusiez tous sans crainte. J'ai confiance en votre courage, je tiens ma promesse. Je permets qu'on ouvre le portail et que l'on participe aux attractions. Au fait, Pikachu reçoit ceci. C'est pour te faciliter... Féliciter d'avoir réussi le saut en liane. Oh cool! Bon, écoute-moi Pikachu, j'ai fermé le portail de la place d'Union pour deux raisons. Le maître de la zone balnéaire et de la zone glaciaire, Pingoléon, et le maître de la zone enfuie et de la zone ardente, Brasegali. Je me suis disputé avec eux à propos des règles du Poképark. J'ai fermé le portail pour protéger la zone végétale, mais maintenant j'aimerais renouer des liens avec eux. J'aimerais que tu ailles les trouver dans leur zone en passant par la place Union et que tu dises à Pingoléon et Brasegali ceci, nous devrions à nouveau vivre en harmonie dans le Poképark. Et ben voilà! Oui, mais avant ça, on avait je ne sais plus qui à aller voir. Veux-tu sauvegarder? Oui. On a rencontré un Pokémon tout à l'heure qui disait qu'on pouvait faire l'attraction. Je ne sais plus qui c'était. Arco, peut-être. Est-ce qu'il fait partie de nos amis? On va aller regarder ça. Non. Donc on va aller voir si on le retrouve. Moi je suis contente. Allez tourne Pikachu. Bon c'est une partie qui commence plutôt bien non? On a débloqué tout le reste du jeu. Du coup ça a peut-être amené d'autres Pokémon. Tokenchosu, j'ai adoré le saut en liane. J'avais peur parce que je pensais que ça allait être de liane en liane et que j'allais tout foirer. Mais non, c'est trop rigolo. Allez, on repasse le pont, même si c'est pas là qu'on est censé aller. Oh, t'es qui toi, c'est Boscadra. Salut. Le réservoir Pingolo ou Bragus Agali, ça serait bien s'il pouvait avoir la paix. Tu veux faire un duel? Très bien, approche. Ton tonnerre ne marche pas contre moi. Souviens-t'en. Certains Pokémon du Poképark sont sensibles à l'électricité. Ouais, enfin bref, tu comprends, mais... Oh putain, t'as 4 zones. Oh la vache. Ça pue. Faut le dire, ça pue. Dommage. On reviendra plus tard, hein, parce que pour l'instant, on était un peu nul. Reviens quand tu seras plus fort. Oui, je reviendrai. Est-ce que je peux voir les boutons quelque part? Ah oui, il peut encore bien monter. Allez, on retraverse le pont. Oh mais moi j'aimerais trop qu'il ressorte un jeu comme ça sur Switch, parce que celui-là il fait un petit peu mal aux yeux quand même, hein. Il pique, il est pas très beau. Mais c'est super sympa. Et pourquoi on n'a pas sur Switch? Ça serait super chouette. Allez, on va aller voir Arco. Il me semble que c'est à lui que tout à l'heure que je voulais parler. Ça, on l'a pas en ami, alors on peut à nouveau participer au tournoi. Mais après tout ce qui s'est passé, c'est dur de venir faire un secou sprint. Blarc. C'est quoi un secou sprint? C'est pas ça. Comment on fait? C'est ça. Allez, on va le rattraper. Oh, pardon, la poreille. Tiens, Arco. J'ai cru que c'était le truc où il fallait secouer la manette. Ça marchait pas bien. Yes, un nouvel ami. Est-ce que ça peut nous en débloquer d'autres? Non. Ben, vous savez quoi? Il n'y a plus qu'à. Je vais retourner quand même un petit coup en arrière, voir s'il n'y en a pas d'autres, mais je crois pas. On va retourner parler à Bulbizar. Bébé.
Ouais, on va faire un petit secou sprint. Traverse la piste forestière, atteint la ligne d'arrivée le plus vite possible. Donc ça, c'est bien le truc qu'il faut secouer. Alors, je vais reculer du micro le temps de faire l'attraction. Hein. Je vérifie les autres personnages pour voir si on peut pas le faire avec un autre bonhomme. Wow, un sécateur, il doit être super rapide. On va essayer. Allez, je recule. Hein. Il n'y a pas de doute, il est super rapide. Et en plus, on a débloqué le bonus. Ouais, c'était du record. Non, on s'arrête là. Hein. Bon oui, une fois, ça suffit. Quand même. Je suis pas sûre de supporter. Hein. Je suis un petit peu vieille, je vous ai déjà dit. Reviens me voir. Ok. Bon allez, c'est parti, on va à la place Union. On va voir ce qui nous attend là-bas, je suppose qu'il y aura plein de nouveaux Pokémon. J'ai vu que j'arrivais à faire des super demi-tours avec Pikachu, mais je ne sais pas comment. Mais je les ai toujours pas, c'est pas grave. Oh, mince, étourmi. On ne trouvait plus le nom. J'aimerais tourner en avoir le tournis. Oriente la télécommande vers l'écran et appuie sur B pour voir comme si tu tenais la caméra. Saisis la télécommande, oui, appuie sur B pour revenir à la vue normale. Ok. On change de zone. Oui. Oh, c'est trop chouette. C'est quoi, c'est des boutiques? Il y a une maison là-haut? Faut que j'arrête de me poser autant de questions. Mais c'est trop chouette. Oh, c'est fait faux rêve. Baldrive. Crapins. Oh, c'est génial. J'adore. Là, voilà notre copain Pijako. Très bien. Tu as su déjouer les pièges de la zone végétale. Tu t'es bien débrouillé. Au fait, j'ai donné un carnet à un Germignon. C'est la première fois que tu t'aventures sur la plage Union, non? Je vais te donner quelques infos. La place Union se trouve au centre du Poképark. Les 5 portails permettent d'aller dans des zones différentes. Un bord de mer, des grottes. D'autre part... Certains Pokémon des autres zones s'aventurent parfois sur la place. Regarde autour de toi. Tu devrais aller parler à Gaudrive. Ah, c'était Gaudrive. Grodrive, pardon. Feu Forêve et Electek. Ils peuvent tous être très utiles. Oh, c'est trop cool, il y a plein de nouveaux Pokémon. Oui, je suis gaga aussi devant les Pokémon, mais bon. Ça devrait plus vous choquer maintenant. J'ai presque eu peur. Oh ben, je le dis, on va aller là, mais... m'a donné un carnet Poképark. Le nom de nos amis s'y inscrit automatiquement, a-t-il dit, mais je ne suis pas très douée pour faire les défis, alors j'ai réfléchi. Regarde, ce grand arbre, on dirait que quelqu'un a essayé d'y construire une cabane. Je pourrais continuer le travail pour y inviter nos amis. Qu'est-ce que tu en penses? Mais que c'est une chouette idée, mon petit Germignon. Oh, je suis fan. Bonjour, quelle énergie, j'ai entendu parler de toi jusqu'ici, merci d'avoir libéré la zone végétale, je vais pouvoir reprendre mon travail. Dans chaque zone que tu visiteras dorénavant, cherche une pancarte avec une baie dessinée dessus. C'est un arrêt de Grodrive. Mes amis viendront tout de suite te chercher, ils t'emmèneront dans la zone où tu veux, contre des baies. Pour la zone végétale, un ami est déjà parti se mettre en place, donc ce n'est pas la peine d'aller regarder l'arrêt de Grodrive là-bas. Bah non, je vais aller nulle part, mais c'est cool de pouvoir se le téléporter.
Un dinoclier. Oh, il y a plein de monde, c'est cool, cool, cool. Et toi, tu fais quoi? Le studio photo. Tu sais comment on prend des photos? Prends une photo. Appuie sur. Ok. Ok. J'avais pas de carte SD dans ma Wii. Ouais, c'est abusé, qu'est-ce que ça peut vous faire d'avoir, mais bon. Oui, on va sauvegarder, mais vous allez me dire qu'il n'y a pas de carte SD. Ah, bah ça peut-être sauvegarder, je sais pas où alors. Bonjour la poreille. Il reste Electek. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre, toi? File-moi des baies et moi je donnerai des cours de tonnerre. Yes! Aussi, des potes à moi vont bientôt me rejoindre sur la place Union. Eux aussi, ils aiment enseigner les trucs aux Pokémon qui veulent s'améliorer. Eux et moi, on veut donner un coup de main à ceux qui travaillent pour rendre le Poképark chaque jour plus amusant. Ah, c'est cool ça! Tu veux recharger tes batteries? Laisse-moi faire. T'aimerais que ton tonnerre aille plus loin? Oui! 350, bah oui, on va te donner. Oh, Pikachu! Voilà, tu as tout compris. La portée de tonnerre a augmenté. On va vérifier ça. Oui, mais c'est vrai! Je re-sauvegarde un petit coup. Bon, j'ai pas trop confiance. Hein. Mais non, je veux pas arrêter de jouer. Je suis à peine de commencer. Bon, bah, on va faire le tour des autres petits copains. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur cette pancarte? Droit devant Zolbanner. Wow, tu es trop fort, Pikachu! Allez, on va aller voir Donnie Dinoclier. Ici, c'est quoi? Hop, 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 on s'arrête, Pikachu. Zone enfouie. Les passagers destinés dans la zone ardente doivent emprunter le wagonnet, ok. Bonjour Dinoclier. D'accord, merci de ta sympathie. On va faire le tour de tous les portails. Hein. Oh, c'est quoi un scalpion? Rapion, pardon. D'accord. Ils sont pas gentils. Toi non plus, je suppose. Il faut que j'aille à la plage d'abord. Bon. Devant tant de gentillesse. Donc ça, c'est la zone d'où on vient. Elle est ouverte. On va aller là-bas, la zone balnéaire. On dit au revoir à petit Germignon. Oui, t'es un mignon. Viens, on va aller voir quand même. Bon, bah, il n'y a rien à y voir, quoi. Allez, direction la Zolbanner. Qu'est-ce qu'il veut, Pichaku? On peut lui parler encore ou pas? Oui. Pourquoi
Pourquoi je peux pas y aller? Il y a longtemps, les forêts, oui. Comment je fais pour y aller? Voilà, on passe le cap Loclas. Comment je fais pour y aller? Bon, moi je vais me promener, mais... C'est quoi ce carré rouge là sur la carte? C'est Germignon. Non, même pas. Ah non, je veux pas aller à la zone végétale. Mais je crois que je peux aller nulle part d'autre. Oups! Pardon, Dinoclier. Bon. Les passages à destination de la zone ardente doivent emprunter le wagonnet. Moi, je veux aller là-bas. Oups, j'ai tombé. Crapins, pourquoi je peux pas y aller? Je suis bloqué. Pourquoi? Je vais les reparler là. Écoutez, à défaut de pas savoir comment prendre la porte, on va aller voir au studio. Oh la magnifique! Bon, toi, t'as plus rien à nous dire. Ah! Un message pour le maître Pingoléon de la part de Florizard. On m'a dit de ne laisser passer personne, mais vu l'état du maître Pingolé ce dernier temps, allez, je vais faire une exception pour le maître. Ah, j'ai même fait peur! Et c'est parti pour la nouvelle zone. Qui dit nouvelle zone dit plein de nouveaux Pokémon. Ça va être super sympa. Oui, oui, je veux y aller. Je veux y aller. Je dirais bien, oh, ça a l'air joli, mais non, c'est tout pixelisé. Mais c'est quand même mignon. Oh, ça a l'air super grand, par contre. Ouh, il y a du monde, Oléviator. Du coup, on pourra bientôt en avoir 20 et on pourra retourner voir Philalie. Bon, bah, il y a plein de choses à faire, dis donc. Allez! Oh, bah, qui vient me parler? C'était quelque chose, la dispute entre Léviator et Alligator. Les ponts qui relient les îles sont presque tous cassés. Léviator et Alligator étaient des amis autrefois, mais pourquoi ils se sont disputés alors? Un, pourquoi? Oh!
Ça n'a pas l'air si sympa que ça ici. Quelle frayeur! J'ai cru qu'Alligator et Léviathan se disputaient encore. Et c'était autre chose, on dirait. Ah, vous m'avez vu! C'est rare, oui. Il est dans la zone glaciaire. C'est par là. Il faut traverser la mer. Comme c'est trop long à la nage, demande à Loclas de t'emmener. Elle est souvent au cap. Pour la rejoindre, traverse le pont et continue jusqu'au bout. Ok. Mais moi, avant de faire ça, je veux avoir des nouveaux amis. On va aller voir Pujako. Ben oui, mais je voudrais d'abord m'amuser, moi. On va aller voir Pico-Couac. Pico-Couac. Oh yes, un cache-cache. Je suis pas très douée, mais on va jouer à un cache-cache. Alors, un indice, Pico-Couac? Non. Je crois que je t'ai trouvé, Pico-Couac. T'es pas très douée, Pico-Couac. Et on a un nouvel ami. Du coup, ça porte à 17. C'est cool. Est-ce que ça nous en ramène des autres? Oui. Oh, un aquacouac. Et là, pour surfer. Ah, mais c'était boué. Un défi, la course, ça te branche. Oui, pourquoi pas. J'adore. Allez, dépense-le. Yes. On va se faire plein de copains. Je vous dis, la collectionnite aiguë du Pokémon revient très vite. Ah, ça va être quoi cette attraction? Ça a l'air sympa comme tout. Ah ben, voilà l'autre. Alors, on va faire un petit tour pour voir avec qui on pourrait devenir amis. Il n'y a pas d'avoir pas mal de monde ici. Comment je vais là-bas? Je crois qu'il faut que je fasse le tour en fait. Je veux le petit Azuril. Oui, on fait la course. J'adore ce jeu, je suis trop gaga. Ça va pas le faire. Oh, tu commences déjà une course où il faut sauter, ça va pas le faire du tout. Petit tricheur. Tu ne connais pas Pikachu? Oh, on va s'en faire des potes. Caïminus! On va visiter un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse là par exemple? Hop là! Du bois. Je ne sais toujours pas ce qu'on est censé faire de ce bois. J'ai vu Caïminus là-bas. Oh, il y a un coraillon! Caïminus aussi, on va aller le voir. Pardon, je voulais pas tout défoncer, Caïminus. Oups. Il est plus là. C'est crash, elle a fait une bêtise. Caïminus? Non, moi, il n'est pas revenu. On va aller voir au Coups. Qu'il y a une attraction où on vole dans le ciel. Et un duel? Oula. Bah disons que si je pouvais t'électrocuter, ça serait plus simple.
Comment on électrocute? Bon sang, il n'y a pas 5000 boutons. Voilà, j'étais battue, mais comment on électrocute? Bah, oh, je suis bête, j'ai oublié ce bouton. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Et si je me trompe pas? On a 21 ennemis. Et du coup, il est où le panneau soi-disant des Baudrives? C'est un arrêt Gaudrive. Une baie est dessinée. Gaudrive est là. Gros drive, j'ai du mal. Hein. Je vais aller voir Philali. Comme ça, je reviendrai ici dans 5 minutes. Oh, c'est trop mignon! Ça, c'est le jeu qui vous fait craquer totalement. Et je me dis que ouais, ça serait même simplement le refaire en HD, ça pourrait être sympa. Parce que ça a l'air destiné au tout petit, mais pas tant que ça. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh, je n'y pense. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oui, les petits chenipans, du coup. Ah, il est là. Salut, chenipan. Faire une course? Bah oui. Ah, oh, c'est cool. Ouh, effectivement, j'étais surpris par ta vitesse, chenipan. C'était... du rapide service. Non, je m'attendais pas à ça, non. Par contre, j'ai pas fait tomber une espèce de baie en même temps. Oh, Papillusion. Oh, bah, c'est un truc de malade, en fait. À chaque fois que vous jouez, il y en a un autre qui apparaît. Autant vous dire que... Là, 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 il y a ma baie. Je l'ai ramassée. Bonjour, Papillusion. Viens, Papillusion, s'il te plaît. Le Poképark est un endroit sur regard. Le ciel est si haut. J'ai entendu dire qu'il était protégé par une forme mystérieuse. Oui! Bah oui, mais je peux pas voler. Ouh! Ah, oh, j'ai vraiment eu de la chance. Les Papillusions est notre ami. Bon, on était venu chercher Philali à la base, hein. Alors, on avait vu Philali, il me semble, par là, sur la droite. Et oui, elle est là-bas. Oups! Faudrait qu'on arrête de défoncer les gens, ce serait sympa. Encore une course! Quelque chose me dit qu'avec elle, ça va pas être aussi facile. Hein. Je me rapproche même pas du tout, en fait. Oh la vache! À mon avis, je suis pas assez rapide. Hein. Il faut que je me coupe, mais je me mange des arbres. Oh, c'est une horreur. Et je me rapproche doucement. Et ce qui me reste plus beaucoup de temps, mais... Moi, je l'aurais pas. Ouais, non, il reste 13 secondes, je n'y arriverai pas. Sauf si elle me fait demi-tour sur la tronche. Oui, la chance! Ouh. Mommy.
c'est trop classe. J'adore Philélie. Allez, on va retourner tranquillement sur notre petite plage. On va rechercher le gros drive pour le téléport. Bon, ça va, au moins ils sont marqués sur la carte. Ah oui, ah, si je lui parle pas. La zone balnéaire, on y retourne. On va passer, hein. Et nous voilà de retour sur la zone balnéaire. Il y a tout plein de Pokémon à aller voir. Et comme ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce deuxième let's play sur le jeu. Alors il ne tient qu'à vous de me voir continuer le jeu ou pas. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous voulez en voir plus. Me dire si, bah tant pis, si ça vous intéresse pas, hein, ça peut arriver. Moi en tout cas, je suis complètement fan, alors n'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires. Et je vous dis à très bientôt, et amusez-vous bien!